Chaumont, pendant 3 ans, j'ai vécu des superbes saisons sportivement et surtout en dehors en fait. C'est là où je me suis attaché le plus. Je garde beaucoup de contact ici avec les gens et c'est vraiment ça que j'apprécie beaucoup de Chaumont en fait. C'est la simplicité des gens, la chaleur et voilà, c'est pour ça que je viens souvent. Aujourd'hui là, c'était comme si c'était après un match. On a peu de grands champions en Haute-Marne et moi je suis content vraiment que Stéphane Boyer prenne le temps de revenir saluer son club d'origine et puis ses supporters. Je trouve que c'est bien pour la ville. Tu vas faire à ma place. C'était un joueur exceptionnel, il arrivait comme ça, il a débuté, il était un peu timide et tout ça, et il a pris une ampleur terrible comme ça, et on espère tous qu'une chose, c'est qu'un jour il revienne là plus tard. C'est impressionnant. Et puis on voit pas ça tous les jours, donc j'ai apprécié. Chaumont Tech était champion olympique, du coup de le voir, c'est bien. Je le remercie parce que c'est quand même un joueur, puisqu'on parle de Stéphane Boyer, qui a le cœur Chaumont Tech et qui le dit haut et fort, donc c'est pas grave, même si on n'est pas centre de formation. C'est un peu bizarre parce que j'ai pas vu Stéphane depuis, je pense, 2 ans. Et c'est trop bien qu'il a trouvé un moment pour revenir à Chaumont, surtout avec la médaille qu'il a sous le cou. Et je le souhaite le meilleur parce que je pense qu'il mérite, tout ça. Merci beaucoup. On est très fiers de toi. Merci. Ça permet de faire un exercice que j'adore, qui est peut-être de déclencher des étincelles dans les yeux d'un enfant qui demain voudra être un sportif, quel qu'il soit, et pourquoi pas dans le volley-ball. Je pense que le volley, ça porte des émotions vraiment énormes.